Salut à tous, aujourd'hui on évoque un film allemand qui fait aimer la magie. Un film qui a fait en France plus de 2 300 000 entrées, dont les deux thèmes principaux sont la magie et l'amitié. Un film qui a reçu le César du meilleur film étranger en 1989. Ce film, c'est Bagdad Café. L'histoire en quelques mots, une touriste allemande quitte son mari et échoue en plein désert au Bagdad Café. Cet établissement, en pleine déconfiture, va retrouver vie, et la clientèle aussi, grâce au talent d'humanité et de prestidigitatrice de cette Allemande étonnante. L'histoire est vraiment trop bizarre pour être racontée en quelques mots. Ce que je peux juste vous dire, c'est que c'est l'aventure extraordinaire de destin totalement ordinaire. Et au-delà de ces personnages attachants et bien barrés, nous avons dans ce film des images magnifiques, évidemment une bande-son envoûtante, mais surtout des effets magiques bien mis en scène, bien valorisés. Car là encore, le réalisateur a tout compris. Oui, derrière ces images, on peut découvrir l'émerveillement, l'émotion magique du spectacle dans les regards des différents personnages. Et là aussi, la magie n'est pas un but en soi, mais un moyen de raconter l'histoire. Et c'est bien de cela dont il s'agit, de philosophie heureuse, car c'est ça aussi la magie, rendre heureux ses spectateurs, avec tout un tas de phénomènes aussi touchants les uns que les autres. Ce film rend heureux, fait aimer la magie, même aux plus rétifs, vraiment. Alors vous l'aurez compris, dans ce film, comme dans la vie, et comme le philosophe le dit, ne pas être à la mode, c'est être sûr de ne jamais être démodé. Étonnant, non? Allez, à demain!